j'espère que vous allez bien. Alors ici, on fait une nouvelle review à particulière parce qu'on vient de signer un contrat important avec Lunchfly qui va permettre d'avoir une belle distribution et le choix énorme. Et normalement, un meilleur débit. Débit, voilà, voilà, exactement. Le prix ne changera pas parce qu'il y a tout qui augmente, mais c'est oui, jamais curieux. Malheureusement, les prix sont censés augmenter. Ouais, ça fait presque 5 ans qu'on vend du Lunchfly en magasin, que les gens sont hyper contents. C'est des produits que je suis jaloux pour moi en tant qu'homme parce qu'ils sont super beaux, mais si je portais ça, ce serait pas trop masculin. Voilà. Bah, ça dépend. Ça dépend les modèles en fait. Les Marvel, ouais, ils sont ça. Alors, deux nouvelles collections sont arrivées en magasin aujourd'hui et on compte faire des reviews régulières pour vous les montrer et forcément, comme on est en direct avec eux, pouvoir vous proposer en précommande plus de choix et beaucoup plus d'exclusivité. On va commencer par mon coup de cœur pour moi, c'est la version Atlantis. Atlantis, exactement. Qui fête ses 20 ans. Et voilà, boum, le coup de Et 20 ans, ouais, ça fait mal. Alors, ce qui est vraiment impressionnant, bah, vous voyez souvent review avec les statues, je trouve que le produit est hyper travailler. C'est pas juste on fait un... C'est pas un bête sac. Voilà, voilà. C'est tous les produits Lunchfly sont toujours très bien travaillés. Ce qu'il faut savoir sur Lunchfly, c'est que c'est une société qui n'existe pas depuis extrêmement longtemps. Moi, ça a peut-être 10, ouais, 10, 15 ans, grand maximum. Grand maximum. À la base, ils ne vendaient qu'aux États-Unis. Ça fait pas tellement d'années qu'ils exportent en Europe et très difficilement. Ça commence seulement à se débloquer maintenant. Et ce qu'il faut savoir sur Lunchfly, c'est qu'ils veulent rester une petite manufacture. Leur but, c'est pas de venir une énorme entreprise, mais c'est de rester quand même quelque chose d'assez petit. Je parle en termes d'employés, par exemple, c'est quelque chose d'assez petit. Bon. Ils n'ont pas 2000 employés dans leur société. Je suis libre, tu parles, mais... Oui. Il faut le vider. Une partie, tu fous le bordel, hein. Alors, pour exemple, à chaque fois, donc c'est le format de sac habituel chez Lunchfly, dans les budgets de 69 voilà. à 99, selon les revendeurs où vous êtes. Nous, c'est à 79, je pense, on va dire. 79,90 pour l'instant, mais il est possible que les nouvelles collections augmentent légèrement. Parce que malheureusement, on n'a pas le choix. Si tous les prix d'achat augmentent, on va être obligé de s'aligner. Ouais. Alors, chaque fois, il y a souvent une belle image qui présente le dessin animé ou le sujet en question. Ici, on a Milo et l'Atlante, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ça, c'est écrit sur l'étiquette. Milo et Kida, exactement. En belle image, alors légèrement relief, et surtout ce qui est impressionnant, c'est que vous pouvez voir que les cristaux sont faits également en petit relief avec un élément différent, genre un peu de tissu. Enfin, tu vois, ça c'est vinylisé, et là il y a du tissu. C'est brodé. Brodé, merci. Voilà, donc ça c'est normalement, si je ne me trompe pas, c'est une sérigraphie, ça s'appelle. Wow, ouais. Et c'est brodé. Il faut des mots cliniques. Voilà. Ensuite, vous avez tous les masques de tous les ancêtres qu'il y a comme dans le dessin animé. Et tous les pourtours sont en relief. Franchement, c'est impressionnant. Vous c'est très voir. Bien travaillé. Il y a un travail de dingue et c'est vraiment tout en cuir. C'est du cuir synthétique. Cuir synthétique. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez Lunchfly, aucun modèle n'est en cuir, c'est toujours du cuir synthétique. Ça coûte moins cher. Ensuite, on a les tirettes. Oui, il y a Lunchfly. 300 euros. Ouais. Qui sont extrêmement bien, c'est très très bonne qualité. Elodie utilise le Mulan depuis longtemps. Et franchement, j'ai un Mulan et un Dark Vador aussi. Ils vont super bien. Et la tirette du deuxième est représente encore une fois le cristal utilisé dans le film. En PVC du coup. En PVC. Transparent. Mais c'est encore une fois à quel point ils vont loin dans la conception. Oui. Parce que l'intérieur, pareil. Ils veulent toujours faire un produit travaillé. C'est travailler. Leur but, c'est pas d'offrir, on va dire, entre guillemets, un bête sac, genre ouais. comme certaines grandes chaînes qui commencent par P et qui finissent par K, dont je ne citerai pas le nom. Ou c'est des sacs voilà, que vous payez 15-20 balles, mais de moindre qualité et beaucoup moins travaillé. Ici, leur but, c'est d'offrir des produits de qualité. Même l'intérieur. Et j'avoue que nous, depuis 5 ans où on vend du Lunchfly, on a très, très, très rarement eu des soucis de qualité. C'est arrivé, ça peut arriver. Comme tout, un petit défaut de fabrication par-ci par-là, mais sur tout ce qu'on en a vendu jusqu'à présent, ça reste quand même rare. Ouais. Alors ici, à chaque fois, un sac en général est accompagné d'un sac à main et ou d'un portefeuille. Là ici, on a que pour cette collection-là, un portefeuille. Désolé, on a un sac qui aboie aussi. On a c'est des sacs qui aboient, c'est magnifique quand même. Alors, invention de fou. Pour le portefeuille, même même conception, même travail. On retrouve la même image sur le portefeuille. Le clapet ici avec le cristal qui sert encore une fois. Pas de tirette fois-ci, mais d'attache. Non, c'est une décoration pour, sur l'attache, quoi. Et franchement, il est hyper bien fait parce que, bon, après, c'est encore une fois, c'est vraiment une clientèle féminine parce que, voilà, il n'y a pas de monnaie. Vous avez une monnaie sur oui, vous, c'est les vrai filles. Que. Si. Porte-carte, petite photo du chien. Si, si mais vous comme voulez. On n'a jamais vraiment de porte-monnaie pour mettre de la monnaie, soit c'est au fond de notre sac. Ouais, c'est vrai. Mais voilà, mais sincèrement, c'est impressionnant le travail de qualité qu'il y a derrière de matière, de ouais. design, de recherche. Les mecs, enfin. Oui, mecs. Tous les portefeuilles n'ont pas le même design. Voilà, c'est ça. Il y a vraiment un travail chaque fois unique pour chaque collection de Lunchfly. C'est ça, exactement. C'est vraiment qui est génial. Donc, ça, c'est pour la version Atlantis. Atlantis, exactement. Ensuite, on a reçu le méga chelou. Pourquoi méga chelou? Je trouve que ses yeux font bizarre. Ah, c'est vrai que ses yeux sont un peu flippants. Blanche-Neige. Là, vous avez un sac plus rétro, tu vois. Un peu plus grand, mais un petit peu moins large. Voilà. Que le premier. Par là, une grosse sérigraphie avec légèrement du relief. On a d'abord Blanche-Neige avec
tous les animaux de la forêt, les pères castors. Raconte-nous une histoire. Et au-dessus, on a les sept nains qui sont en train de revenir de la mine avec... Oh, sa plaie est trop magnifique. Le sapelet, il a deux yeux toxicomanes. Regardez, regardez, attends, on voit pas. On va vous le montrer en détail après, je vais le filmer plus tard. Mais franchement, il faut vraiment flipper. Oh putain, regarde. On dirait les Warhammer de Floki. Ouais, à fond. Mais vraiment, mais la conception est cool parce qu'encore une fois, vous avez une ouverture entre les deux scènes pour voilà. Mettre des choses dedans et l'autre type. S'ouvre également. Et ce qu'il faut savoir au niveau des Launchfly sac à dos, en tout cas, c'est qu'au niveau de la contenance, moi personnellement, je sais mettre une petite boîte à tartines et une bouteille de 50 centilitres, plus mon portefeuille et mon petit porte-monnaie et des petits machins dans mon sac. Dans le format normal, celui-là est un peu plus grand quand même. Voilà. Donc ça veut dire qu'en gros, c'est des petits sacs, puisque ça s'appelle justement, le nom en anglais, c'est des mini backpacks, mini sac à dos. Donc c'est le but, c'est que ça reste petit, pratique, mais l'air de rien, vous savez mettre quand même quelques contenants. Moi, je sais mettre mon nécessaire pour aller travailler, par exemple, dedans. Et autre ustensile utile à votre vie, n'hésitez pas surtout pour tout ce qu'il vous faut. L'intérieur ici, vous avez donc du coup des images oui, avec à chaque les fois, l'intérieur, là, à chaque fois l'intérieur des sacs est décoré sur le thème. Ouais, mais il est cool parce que c'est un peu compliqué à montrer en vidéo. Ouais. Parce que de toute façon, pour les prochaines plus élaborées, mais... on aura des points de vue comme on fait avec les statues plus proches. Exactement. Alors ensuite, on a celui qui a été mais le plus demandé récemment, je sais pas pourquoi. C'est vrai que ça a été un gros coup de cœur de la part de la clientèle. Le nouveau Alice au Pays des Merveilles, mais sauf qu'en fait ce qui est marrant c'est que vous avez une petite pochette avec le chat. Une petite pochette supplémentaire. Ah, ça s'appelle la collection cosplay. Il y a plein de modèles différents dans plein de thèmes Disney différents. Que ça s'appelle cosplay, ça veut dire quand c'est simplement les vêtements du personnage principal. Quoi. Voilà, vous avez donc le costume de Alice au Pays des Merveilles. Basique, mais à chaque fois les rapports couleurs, vous avez le petit jaune dessus pour le côté qu'elle est blonde, vous avez le petit nœud, vous avez le blanc et le bleu, et puis vous avez son chat à côté. Un petit porte-monnaie. Je sais plus comment il s'appelle. Je sais pas. Les gens m'ont dit en plus ça. Mais voilà, mais qui est bien parce que c'est additionnel. Après, je trouve ça en magasin, faut attention pas faire voler ou les perdre, mais vous pouvez attacher en plus le portefeuille facilement à votre sacoche, à votre ceinture ou même au sac directement. Il y a une attache écrite pour qu'il se balade. Son nom en anglais c'est dette ou dite, mais en français je sais pas. Dite ? Comme dans la cristal. Dites, mais voilà, mais encore une fois, le travail de texture est vraiment génial. Je trouve que la conception est terrible. Moi qui fais souvent des reviews de statues avec Jordan, je suis vraiment impressionné par la conception qu'ils ont mis derrière. Et en plus, ouais, comme je disais, vous avez un papier, vous savez en fait l'attacher ici au-dessus pour qu'il pende parfaitement sur Alice en fait. Oui. Pour qu'il aille. Donc vous dire, ils ont réfléchi, ils l'ont testé, ils ont mis ouais, ça va être cool comme ça, c'est bien pensé. Mais vraiment, il est vraiment génial. Et encore une fois, tout en cuir synthétique. Alors ensuite, là, c'est... La nouvelle collection de Cendrillon. Il est super beau. Puisqu'il y a eu déjà une collection Cendrillon qui est sortie l'année dernière, spéciale 70 ans, si ouais. Je ne me trompe pas. Là, on en a vraiment qui a de la gueule parce qu'il a tout pour lui. Oui, c'est un tout nouveau design. Il raconte une histoire. En fait, c'est ça. La face montre un château en relief. Après, Cendrillon, pas n'importe quel château. Ouais. Et ce qui est bien, c'est que ça ne peut pas casser. Tu vois, tu poses ton sac. C'est ça, oui. Ça ne va pas se plier, s'abîmer. Devant, tu as une citrouille avec la marraine et le les souris. Ouais, carrosse citrouille quoi. Ouais, carrosse. Là, ça ressemble au carrosse comme ça. Et derrière, vous avez carrément une fresque avec. Hop. Avec Cendrillon quand sa robe se transforme. Ouais, de traîtrise à très heureuse. Mais c'est super cool. Franchement, il est ouais. C'est un des plus c'est beaux. C'est super bien travaillé. Je le trouve magnifique. Et même là, tu retrouves le logo de Cendrillon en porte-clés. Pas porte-clés. En décoration tirette, on va dire. Voilà. Et là, t'as quoi dedans? Ah, il y a une belle fresque avec le château. Franchement, ça c'est cool. Super mignon. Chaque fois, les parois tirettes sont souvent dorées pour rappeler vraiment le côté très claquant qu'ils ont. Il y a également, vous pouvez voir en photo ici, un portefeuille. Malheureusement, bah, en fait, Vinci. Oui, on l'a pas lu ici avec nous puisqu'on l'a vendu juste avant l'arrivée. Ouais, vite du succès, franchement, ils marchent bien parce qu'ils sont très limités. Ça a l'air de collection. C'est ouais. Pas juste bêtement des sacs. On a d'ailleurs des clientes qui font une collection Longfly. Exactement. C'est réellement devenu un produit de collection à part entière. Et comme on disait, en plus des sacs à dos. Des sacs à main qui sont très similaires au design. On retrouve oui. La même chose devant. C'est vrai que souvent c'est les mêmes dessins sur le sac à main assorti, mais avec des petites choses en plus, comme ici vous avez une petite pochette porte-monnaie juste devant. Mais de la citrouille, ouais. Qui fait partie, donc ça fait comme si le carrosse était en 3D. Quoi. Et l'autre côté, la même fresque qu'on a sur le sac à dos, mais un peu plus grand sur le sac à main. Et en plus, il a une bonne prise, réellement. Ça va très bien. Tu veux te battre avec, franchement, aucun problème. Hein. Ça fait un peu comme les mamies qui mettent des trucs lourds dans le sac à main, ils font bah ouais, des briques. Et puis même, je trouve qu'il est solide. Vous voyez, je le manipule. J'ai pas peur de le prendre. C'est ça. Mais ça maintenant, plaisir. Ça reste comme tous les sacs à main, surtout ceux plus en cuir synthétique qu'en véritable cuir. Si vous surchargez votre sac, un jour, forcément, les tirettes à un moment donné ou les lanières, elles risquent de lâcher. Mais ça. Mesdames, s'il vous plaît.
le but n'est pas de mettre toutes ses courses en revenant du travail, qu'on a été chercher ses courses du soir, pas bourrer son sac, mais ça c'est le cas pour tous les sacs à dos, sacs à main en général. Et pour finir, comme avec le sac à dos Alice, on a du coup le sac à main Alice. Moi c'est celui que je préfère. Alors il est déjà beau parce que la conception c'est vraiment... J'adore le principe de la... Bah, c'est un vieux sac d'école on dirait, tu vois. Un vieux sac à peu rétro d'école. C'est vrai, ça ressemble au petit sac d'école. Un petit cartable, le mot vieux. Avec la petite fleur. Et puis après... Des couleurs très pastel aussi. Ouais. Ça fait très rétro pour le coup. Par contre j'aurais peur que ce soit Alice enfin qu'on suit là. Ah bah oui, mais tout ce qui est blanc et tout ça... Et puis vous avez une serrure en métal où on peut voir Alice avec justement son chat, dite en anglais. Voilà. Moi j'adore justement le fait que c'est une serrure. Ouais. Et c'est une vraie serrure. Je sais passer ma main dedans. Je n'ai pas de grosse clé avec, pour ne pas faire de... Non, on ne parle pas cette clé-là. Mais voilà, c'est une vraie ouverture, quoi. C'est ça que je veux dire, c'est pas... Et à chaque fois, il propose du coup une lanière qui est, qui est attachable à chaque fois par l'épisode métal. Parce qu'imaginons que vous voulez en soirée, ce qui est bien fait, c'est que si vous l'enlevez... On peut le prendre en pochette, vous soit un peu pochette. Grand. Ouais, c'est un peu pochette. Grand, mais, et moi, je suis pas une demoiselle, mais moi, je me dis que tout est serviable. Et il y a deux compartiments assez importants, pardon. Où on peut mettre facilement du coup des cours des Xbox. Des cours peut-être pas, parce que c'est des Xbox carrément, c'est vraiment méga slim les Xbox. Faut vendre des sacs, il faut dire qu'il y a pas de place dedans. Mais il y a quand même pas mal de place. Bah ouais. Pour un sac à main, personnellement, je trouve que si je veux l'utiliser pour aller au cinéma ou n'importe quoi, j'ai quand même toutes mes affaires dedans. Ça habille bien discrètement une femme, je trouve. Parce que. Oui. Maintenant, ça reste des sacs originaux. Donc c'est vrai que voilà, c'est bien parce que vous pouvez le mettre soit avec une tenue très sobre. Ce qui fait que du coup, on va voir que le sac, ça va être un truc qui ressort. Comme j'ai une amie qui avait elle a toujours normalement, son sac à main Harry Potter, les choco-grenouilles, qui était en couleur très... Non, c'était turquoise et rose bonbon. C'est super flashy, mais si on accorde ça avec justement des vêtements très sobres, ça met super fort en valeur le sac. C'est comme quand on s'habille très sobre et qu'on met des super grands bijoux, ben ça met en valeur les grands bijoux. C'est le but, c'est aussi des fois pouvoir avoir un truc un peu excentrique, mais tout en étant habillé, parce que tout le monde ne peut pas... Certaines personnes, dans certains boulots, vous allez être regardé de travers si vous débarquez avec un sac à dos blanche-neige. Mais par contre, si vous accordez ça avec des trucs super sobres, ça peut être super classe. Moi, j'aime bien justement ce contraste. Alors tout ça du coup est disponible en magasin, les collections passées sont impossibles à trouver, c'est-à-dire que quand elles sortent, il faut mieux se jeter dessus ou les précommander parce qu'une fois qu'elles sortent du catalogue, c'est fini. En général, c'est pas reproduit, c'est très très rare quand c'est reproduit. Ensuite, il n'y a pas que Disney, alors forcément, Jurassic Park, il y a déjà du E.T. prévu, il y a eu déjà du Star Wars. Plein de choses. Et il y a des licences de fous qu'ils ont, parce que comme ils sont liés à Funko, ils peuvent avoir beaucoup de trucs. Là, ils ont sorti un sac. Avatar, le dernier maître de l'air. C'est juste génial. Mais en fait, encore une fois, chaque fois, ils mettent bien la licence. Ici, on avait Disney, on avait Tantôt. It's amazing. Et à chaque fois, on a une plaque en métal qui fait vraiment très certificat. Avec ici Nicolas Léon. C'est ça que j'aime bien, ça fait vraiment très collector. Ça prouve que c'est un officiel, c'est pas une contrefaçon. C'est pas un truc fait sur AliExpress, machin. Sur Et vous avez ici des petits poils pour la tête de Appa. Vous avez le Hang. Comme s'il était assis sur le dos d'Appa. Exactement. Et comme à chaque fois, c'est comme les Disney, vous avez à chaque fois un petit portefeuille qui va avec, ou un porte-monnaie comme vous le souhaitez, qui est travaillé au poil tout doux, et surtout à l'arrière, encore une fois, travaillé comme si vous aviez vraiment une symbiose entre les deux produits. Oui, ça. Et forcément, on fera en sorte de vous montrer tous les prochains produits en précommande avec Elodie ou avec quelqu'un d'autre. Parce que comme maintenant, on va pouvoir avoir un plus grand catalogue chez Launchfire, on va pouvoir vous faire des reviews YouTube Launchfire. On faisait souvent des lives aussi sur la page Facebook. Ouais, mais comme on a vraiment, actuellement, on a une clientèle qui est en train vraiment de se former, dont certaines personnes, comme je disais tout à l'heure, qui les utilisent comme objets de collection, comme sac aussi, mais surtout comme objet de collection. Mais du coup, on a envie de leur faire plaisir et faire quelques vidéos. Et puis voilà, notre chaîne YouTube avec Jordan est très centrée sur les statues. Sur les statues, voilà. Beaucoup de résine. On trouve ça cool de faire une toute petite rubrique un peu plus féminin. Voilà. Et puis, sur un et puis Julien m'a cassé les pieds pour que moi, je trouve mon thème à moi pour les reviews. J'avais pas du tout, il voulait que je fasse les pop. J'avoue, j'ai pas du tout envie de faire des reviews pop vinyle. Et donc, du coup, j'ai trouvé ma gamme à moi pour les reviews, ce sera les Launchfly. Voilà. Après, on va changer le cadre. Ça, c'est ici parce qu'on l'a fait sur un coup de tête avant de partir. Mais on fera un cas souvent un peu plus cosy, où Elodie sera à l'aise, où elle pourra expliquer le produit, où il y aura, tout sera préparé pour voir l'intérieur, extérieur. Et mon bureau avec mon petit divan. Avec tes chats. Avec mes chats. Toujours avec mes chats. Voilà, en tout cas, merci à vous tous en tout cas de nous suivre, d'hésiter à vous abonner. Alors désolé pour les clients de Statue Prime One à plus de 1 250 € ou des figurines manga. On est vraiment sur un autre type de produit, mais il faut quand même savoir. Il faut diversifier la chaîne YouTube, diversifier un peu la clientèle aussi. Parce que et puis c'est l'identité même du magasin. On a une équipe pour de tous les budgets. Oui, c'est vrai. Et notre équipe est très variée, donc on essaie aussi que tout le monde trouve un peu sa voix via la chaîne YouTube pour présenter des trucs vraiment exceptionnels. Et puis même,
vous derrière la caméra, au moins vous apprenez de nouvelles choses tous les jours et en plus en vous amusant. Et on a faim en s'amusant. Voilà. Bon, écoutez, comme d'habitude, on vous aime beaucoup, on vous soutient quoi qu'il arrive et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.